Bonjour à tous. La boîte est assemblée, collée. La finition a été faite à l'intérieur. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de la fermer. Un joli couvercle en tamarin, des traverses et une clé. Alors, le panneau de tamarin, il est ici. Il va se situer dans ce sens-là. Et donc, en termes de résistance mécanique, de jeu, de bois vivant, il peut avoir une certaine tendance à s'élargir dans ce sens-là. De même que le fond, qui est ici, pouvait avoir une certaine tendance à s'élargir. Et que c'est pour ça qu'il est dans une rainure. Il n'est pas collé, il est dans une rainure avec du jeu qui lui permet de bouger. Mon fond va venir passer dans l'ouverture avec une traverse ici et une traverse ici. J'ai commencé à vous le dire dans la précédente vidéo. La nuit porte conseil, j'ai trouvé la solution pour ne pas coller. Parce que ces traverses, je pourrais les coller et les visser sur le dessus. Sauf que j'ai de bonnes chances avec les variations d'hydrométrie. Cette boîte, elle est amenée à voyager. Donc, elle va se retrouver dans des pays où l'hydrométrie est bien plus basse et donc mes panneaux vont avoir une certaine tendance à diminuer dans la largeur. Il est donc important que l'assemblage qui va me permettre de mettre les traverses ici soit un assemblage qui respecte la nature du bois. Le seul que je connaisse, eh bien, c'est simplement un assemblage en queue d'aronde coulissante. Sauf que à la main, eh bien, c'est pas simple. Imaginez, on est en plein panneau et on doit faire une rainure comme ça. Le rabot que j'ai utilisé pour faire les rainures jusqu'à présent, lui, il est capable de faire des rainures droites. Il n'est pas capable de faire des rainures sur le côté. Non, je ne vais pas vous dévoiler toute la suite de la vidéo, mais j'ai dû une fois de plus faire preuve d'imagination et j'ai envie de dire être fier de développer mes propres outils, même si, en l'occurrence, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Allez, bon film! We'll be right back.
la petite touche finale qui met fin à un gros petit projet. Gros dans le nombre de vidéos, le temps passé dans l'atelier, on en est à 6 jours complets. Donc c'est pas du tout négligeable. Certes, il y a le temps de tournage, il y a le temps de mettre les caméras, ça c'est ce que vous voyez pas. Mais beaucoup de travail. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir dans ce projet, c'est à partir du moment où j'ai eu mes bois, ma pile de bois posée lors de la vidéo de présentation du projet, je n'ai pas retouché à une machine électrique. J'ai absolument tout fait à la main. C'est la première fois que je mène, on peut dire quasiment de B à Z, pas de A à Z, mais de B à Z, un projet uniquement avec des outils à main. J'ai énormément progressé, j'ai énormément appris, j'ai développé des solutions maison. Et ça, ça n'a pas de prix. Je veux dire, je parle souvent de la fierté d'être capable de faire ces meubles. Et bien ici, c'est pas grand chose, c'est une petite boîte que je vais remplir et que je vais emmener avec moi en voyage. C'est pas grand chose par le volume, mais c'est un gros projet pour moi qui m'a fait extrêmement plaisir. J'ai bien hâte de vous reproposer des nouveaux projets comme celui-là. J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires pour voir comment vous vous y retrouvez. Est-ce que ça vous plaît ce type d'approche où on a notre temps, on a une approche d'amateur, l'amateur qui aime, et on avance à notre rythme, on résout les problèmes un à un, parce que c'est quelque chose que pour ma part, j'ai pas appris. Donc je cherche, je découvre, je développe. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'en suis presque ému. C'était top. Allez, à très vite pour des jolis copeaux. Bye bye.